c'est une boutique, c'est une lifestyle boutique. On est là justement pour promouvoir la marque Mocha Chocolate, c'est une seule marque qui est basée sur deux lignes, une ligne style et une ligne home. Donc la ligne style, on a du prêt-à-porter, des accessoires, des accessoires aussi pour hommes, des cravates, des nœuds papillons, une ligne aussi Mocha Jeans. Et pour la ligne home, on a des meubles d'appoint, du linge de maison, des objets déco, du lighting, etc. Donc ça englobe tout ça en fait, et on a pratiquement une maison. c'est pour ça qu'on reçoit les gens dans un espace qui ressemble plus à une maison qu'une simple boutique. Tout est handmade, tout est naturel, on va dire. Tout est handmade surtout parce que il faut du fait main, quoi. Du fait main, exactement, et du fait main en Tunisie, du fait main par des artisans, par nous, et par aussi des artisans tunisiens, des femmes essentiellement, qui sont éparpillées un petit peu dans... Vous avez une cité de région à peu près ? Partout, hein, on a du sud au nord, des femmes même dans les côtés, dans les régions un peu éloignées. Et c'est le principe. Là, pour le moment, on est à 40% de notre activité qui est lancée sur ce concept-là. On aimerait être au maximum, quoi. On collabore, bien sûr, avec nos artisans, avec nos amis, on est une équipe, on bosse ensemble. Mais c'est les créations Mocha, du 100% Mocha. Le principe de la boutique, c'est une boutique tout le temps. C'est même pas une boutique, en fait. J'aime pas ce terme-là parce que c'est un espace de vie plus qu'une boutique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans une maison. C'est vrai qu'il y a l'espace extérieur et outdoors parce qu'on a aussi des meubles d'extérieur qu'on expose. Mais c'est surtout aussi un espace où tout le monde peut venir échanger des idées, pourquoi pas, ou siroter un jus, boire un thé. Mais il ne faut pas oublier aussi que notre j'aime pas le mot identité et tout ça, parce que ça étouffe les gens de plus en plus, mais c'est bien de revoir ça d'un autre œil, c'est-à-dire on est en 2014, on est en 2014, un truc comme la je sais pas, comme la harissa sucrée, je suis sûre que vous avez mangé ça il y a un an au plus. Pourtant, c'est un gâteau tunisien healthy et extrêmement délicieux. Donc nous, on essaie de revoir ces recettes-là et de mettre notre touche. On peut arriver à avoir un produit 100% artisanal, 100% tunisien, 100% on va dire pensé, fabriqué et élaboré en Tunisie, et qui peut intégrer des intérieurs extrêmement modernes comme à New York ou ailleurs. Et Mocha aussi, c'est des produits aussi. Le fait de mélanger du moderne avec des produits. Exactement, c'est ça. Mais c'est le but n'est pas. On vise pas une clientèle. On vise une clientèle cosmopolite. On vise des gens qui veulent être dans l'air du temps. Hein. On n'aime pas être dans des clichés, dans des moules un petit peu figés. On essaye d'être. On essaye même pas d'être moderne.
moderne, parce qu'on est moderne. On vit, une personne qui vit en 2014 en Tunisie, elle peut suivre les trends qui sont les mêmes tendances qu'une personne qui bosse à Shanghai, qui habite à Moscou, qui est à New York, hein, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de raison pour faire des choses juste tunisiennes. Voilà, tunisienne mais moderne, tunisienne mais 2014 quoi. C'est tout ce qu'on peut trouver chez soi, c'est tout ce qu'on peut trouver aussi dans sa salle de bain, comme les petits gommages que vous venez d'avoir, fait maison, et pourquoi pas plus tard avoir encore d'autres produits, hein. Là c'est juste le commencement. Voilà.